c'est un objet. Ah bah ouais. Moi j'y échappe. Je vais vers ma gâche. Elle est où? Elle est où? La 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 la
dégueulasse. D'abord, c'est dégueulasse. Bon, c'est dégueulasse. Yeah.
ce que c'est sur son calendrier. J'ai jamais donné un droit pour avoir un calendrier. Ça va? Tu me dis deux mots par rapport à la marche. En quoi c'est symbolique? Pourquoi cette marche avec des flambeaux? Comment? C'est marche avec des flambeaux, il est symbolique. Oui. Pourquoi? C'est important. Ça veut dire que la flamme, elle est toujours allumée et qu'on lâche rien de toute façon et qu'on est encore là et que de nuit, on manifeste, de jour, de nuit. Et la flamme, bah, c'est le symbole du fait que bah, rien n'est éteint hein, et la flamme, elle court toujours. Comment ça se passe du coup à SNCF? À SNCF, ça commence à devenir dur hein, parce qu'avec 50 jours de grève, ça devient très très compliqué. Donc effectivement, on a beaucoup de collègues conflits. Mais ceux qui reprennent ne reprennent pas de gaieté de cœur. Il ne faut pas croire que c'est la grève est finie de l'autre côté. On va tous se réinscrire dans les temps forts, de toute façon déjà. Et il y a une partie des règles du type, de toute façon, qui lâche toujours pas. Demain, c'est une grosse journée de mobilisation. Qu'est-ce que vous attendez? Demain, la même chose que depuis le début, hein, le retrait du projet. Retrait du projet de loi. Vous avez toujours l'espoir depuis autant de jours de...